Histoire nous, témoignage nous, pensée positive nous, capable d'interconnecter nous. Mais c'est seulement parole bon Dieu capable de nourrir, grandir et transformer la vie nous. Bonjour, bonsoir, c'est ça que nous allons regarder dans la parole pour journée jeudi. Peuple bon Dieu li construit dans parole bon Dieu. Et nous voyons dans le texte que le peuple li prouvé soif li de parole bon Dieu. Et il va demander Esdras pour réinstituer pratique ça. Pratique de lecture de la parole de Dieu en public. Ces premiers jours, c'était moi. Donc, c'était un commandement. Puisque le peuple a reconnecté parole bon Dieu pour le faire surface, pour le laver. C'est une façon merveilleuse, nous sommes capables de dire, pour commencer une année. On imagine si chaque lune a commencé l'année civile, pas nous. Nous avons commencé sous base parole bon Dieu. Nous avons mis bon Dieu d'abord. Comment ça que ça tape belle? Néhémie chapitre 8, verset 3 nous lit Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple en fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja. Et à sa gauche, Pedaja, Mishaël, Malkija, Ashum, Dabdana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Belle bagaille, belle bagaille. M'a rappelé nous encore que nous capables d'un bel témoignage, nous capables d'une belle histoire, nous capables d'un pile pensée positive. Oui, yo servi, yo important, yo capable faire nous capable chita sur même table nous connecter, mais seulement parole bon Dieu qui capable nourrir nous spirituellement. Seulement parole bon Dieu qui capable transformer nous. Seulement parole bon Dieu qui capable kembe nous dans le chemin de l'intégrité. C'est seulement parole bon Dieu qui capable faire de nous-mêmes un homme de caractère. Dans verset 6, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple en répondit en levant les mains: Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Incliner ou bien s'incliner, c'est signe de révérence. Yo te gagné pour parole bon Dieu. Yo te adonné yo te fait parole bon Dieu confiance. Moi j'aime ces paroles ça de John Cusson qui t'a parlé de texte ça de adoration. Il dit l'adoration n'est pas seulement un joyeux alléluia. Parfois c'est un saint silence. Adoration c'est pas seulement les noix crier sauter pomper alléluia les là dans le tout. Mais certaines fois c'est dans silence là, dans tête à tête nous avec bon Dieu. Adoration c'est dans tout ça que nous a fait. Peut-être ou même c'est nettoyage qu'on a fait. Peut-être ou même c'est dans banque loyer, peut-être ou même c'est dans construction que ou y est. Dépendamment des gens qu'on fait, dépendamment des gens qu'on bail bon Dieu plaisir là-dedans, c'est adorer ou adorer pendant on travaille dans ministère là, pendant dans bureau ou capable adorer à travers écriture qu'on a passé yo. Tout côté que bon Dieu prend plaisir maintenant tête que on adorer lui. Sinon prière nous capable toujours servir comme abomination. Et prière moi c'est que moi même avec vous, nous va gagner respect pour parole bon Dieu. Parce que lui dit nous clair, obéissance avec parole lui vaut mieux que tout sacrifice que nous capable faire yo. Lui remet que le nous prier, lui remet que le nous aller dans jeûne, mais ça pas veut dire que c'est le dans jeûne qu'on doit aller à qu'on adorer. Ça va veut dire c'est pas nous venir l'église là qu'on adorer. Lorsqu'on vient l'église on pas adorer si action qu'on a posé yo pas conforme avec parole lui. Pendant c'est ton capable dans la rue, ou capable dans groupe là. Puisque toute action qu'on a posé yo conforme avec parole lui, laisse ça ou adorer bon Dieu. Dans verset 7, il dit nos jours je bannis Sirebia, Jamin, Akub, Shebetai, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Il y a l'autre vérité qui est extrêmement important. Ou qu'a utilisé parole bon Dieu jongler. Mais ça qui est important, le rappeler ou bien l'arriver dans espace là, il y a un monde qui est capable d'expliquer. Modèle là clair là. Il y a l'île et puis il y a un groupe monde qui expliquer peuple là pour faire peuple là comprendre mais qui est à nous, mais qui bon nous y journée jodi avec parole bon Dieu.
C'était important pour eux, pour te comprendre la parole de bon Dieu, parce que en pile là, ils ont fait tant en dehors de Babylone. Et rôle enseignant, prédicateur, c'est pas pour faire un show. C'est pas rôle non en tant qu'enseignant, en tant que prédicateur. Rôle nous c'est pour nous faire monde comprendre la parole de bon Dieu. Esdras tapli à travers la loi, un groupe monde autour de Esdras tap expliquer peuple là, ça veut dire. Journée jodi a c'est même bagaille là. Soit moi en tant que dirigeant, en tant que responsable, en tant que pasteur, quel que soit côté koyé, m ta souhaiter que nous apprendre ça. Rôle nous c'est enseigner peuple là, même j'ai avec apôtre Paul tout le conseil de Dieu. En imaginez nous que peuple là comprenne parole bon Dieu, peuple là demeure dans parole bon Dieu. Peuple a appliqué parole bon Dieu, hey, nous avons une solution rapide, un pile problème résolu, un pile foyer a guéri, un pile communauté a transformé parce que parole bon Dieu a un pouvoir pour les transformer. Et pas oublier ça, toute transformation a commencé là, l'on admettre que son pécheur, que Jésus-Christ est venu vivre, mourir, ressusciter pour le bas la vie qui n'est pas jamais finie. Seigneur, nous te merci pour la vie éternelle, merci parce que tu as accepté de mourir dans place, nous-mêmes qui sommes des pécheurs. Guidez-nous. Transformer la vie nous, conduis nous Seigneur parce que nous soif, yon l'autre cité, yon l'autre pays, au nom de Jésus. Amen.